Des jeux avec de la mythologie, il y en a pas mal. Des jeux où l'on peut incarner Sisyphe, il y en a au moins un. Et ce jeu, c'est Rock of Ages. Un jeu uniquement téléchargeable sur PC et Xbox 360 qui a été développé par la Ace Team, qui ont aussi développé Xenoclash, un FPS futuriste très moyen sur PC, il me semble. Et cela a été édité par Atlus, les gens qui ont aussi édité Catherine ou Persona, par exemple. Et donc, Rock of Ages, c'est un espèce de mélange entre, je ne sais pas moi, Odama sur GameCube et un peu de Katamari Damacy sur PlayStation 2, avec un peu de Tower Defense, un peu de notion de stratégie, le tout avec une esthétique un peu ressemblant au Monty Python Flying Circus. Et donc, l'on incarne Sisyphe dans un mode histoire. Alors Sisyphe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage mythologique qui a été condamné par les dieux à pousser un caillou en haut d'une pente, et une fois qu'il arrivait en haut, eh bien le caillou redescendait. Alors pour les vieux de la vieille, il me semble même que ce personnage faisait une apparition dans Ulysse 31. Mais dans l'histoire de Rock of Ages, Sisyphe, il en a un peu ras-le-bol qu'on lui fasse tomber son caillou, donc il se dit que s'il utilise son caillou pour péter la porte, il pourra sauter dans un portail et du coup voyager partout à travers le temps et l'espace pour aller par exemple à Florence démonter la gueule à Léonard da Vinci qui, comme vous pouvez le voir, fait une référence à Matrix, car oui, ce jeu est drôle et ce jeu fait référence à plein de choses, par exemple aux jeux vidéo, par exemple quand vous allez voir Vlad l'Empaleur, vous avez une référence à Castlevania, là vous avez du cinéma, vous avez aussi de la littérature, vous avez plein de trucs. C'est toujours très drôle, ce sont des petites scénettes, et là comme vous pouvez le voir, c'est le traditionnel gag où l'on vous dit « Mais ça ne sert à rien ce que tu fais, tu es dans un jeu vidéo, toutes tes actions sont dictées par une entité beaucoup plus forte que toi, en l'occurrence moi, en l'occurrence vous, si vous achetez ce jeu, et d'ailleurs je vous le conseille car c'est un excellent jeu, téléchargeable pour pas très cher, alors d'accord, le jeu n'est pas très très long, mais quand même, on s'amuse beaucoup car il y a pas mal de petits trucs à faire dans Rock of Ages. Alors une partie de Rock of Ages, vous allez me dire comment ça se joue. Eh bien vous avez deux phases distinctes. La première phase c'est la phase d'attaque où vous incarnez donc ce boulet. Et votre objectif est donc de slalomer entre les défenses ennemies pour aller vous fracasser contre cette porte. Une porte qui est donc la porte de la forteresse de votre ennemi. Ici c'est Vlad l'Empaleur comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran. Et pendant que nos petits ouvriers s'affairent à tailler un nouveau boulet, alors la deuxième phase de gameplay intervient et c'est la phase de défense où là vous pouvez choisir entre différents ustensiles de défense comme des catapultes, des vaches ou des tours et c'est à vous de les placer de façon à ce que eh bien, le boulet adverse galère à venir éclater votre porte. C'est un peu donc, c'est même clairement une course à qui ira péter la porte de l'autre en premier. Et donc, il est bien évident que plus vous avancerez dans le jeu, plus vous débloquerez de nouvelles unités, des unités plus puissantes. Au début, vous avez des vaches, et après vous aurez des rhinocéros, ou des mammouths, ou des trucs de plus en plus gros, mais de plus en plus chers. Et oui, car c'est bien beau d'avoir une belle défense, mais il faut aussi avoir un peu d'argent, car des fois, on en a besoin pour acheter des améliorations de boulets. Vous voyez, par exemple, là, on a un petit menu, et comme j'ai pas assez d'argent, je ne peux pas acheter le boulet à pic. Je ne peux pas non plus acheter un boulet, par exemple, enflammé, comme maintenant. Et le boulet enflammé, c'est très pratique, parce qu'il fait deux fois plus de dégâts, et donc, du coup, on peut tout péter sans même avoir d'élan. Et ça, c'est très pratique quand l'ennemi a décidé de nous mettre des tours partout. Peut-être aurez-vous aussi remarqué des espèces de clés qui flottent par-ci par-là un peu planquées. Eh bien ces clés, il va vous falloir les trouver si vous voulez continuer l'histoire, parce que de temps en temps, vous avez des portes qui nécessitent un certain nombre de clés. Alors je vous rassure, c'est pas super super compliqué, mais des fois il faut faire un peu de plateforme avec une boule, et ça, c'est pas hyper évident parce que la boule a une espèce d'inertie, ce qui rend du coup le maniement un peu difficile à contrôler, surtout au début. Mais avec un petit entraînement, on commence à choper les rouages de la boule. Vous avez aussi un mode multijoueur en local ou même online. Et vous pouvez aussi jouer au skee-ball. Et personne ne connaît le skee-ball. C'est un espèce de jeu qu'on voit beaucoup dans les fêtes foraines américaines qui consiste à lancer une boule et hop, elle saute et après elle atterrit dans une cible. Alors là, bien sûr, on triche un petit peu parce que l'on peut diriger la boule. Mais bon, c'est tout de même rigolo. Rock of Ages, c'est un très bon jeu. C'est un petit jeu pas cher, pas très long, mais quand même très sympathique. Et en plus, de temps en temps, il y a des boss. Et l'un des boss consiste à se lancer dans un canon et à éclater les boules au David de Michel-Ange. Et rien que pour ça, eh ben c'est très bien. C'est très beau. C'est très mignon. Ça a une très bonne musique, puisque c'est ce que je suis en train de vous passer parce que j'ai pas de son. Donc, si vous avez moins de 10€, Rock of Ages,
retenez-le. C'est très très bien.